Voilà, si je n'ai plus de questions, je vais passer maintenant à Daisy. Voilà, Daisy, notre très chère Daisy. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran pour que nous regardions Daisy, mais donnez-moi un instant, je vais m'assurer que mon portefeuille est bien connecté. OK, il est bien connecté, donc je devrais être capable de me connecter à mon compte Daisy. Nous savons déjà, je l'ai expliqué à certains déjà, comment est-ce qu'on se connecte à son compte Daisy à partir de Chrome. Donc, nous savons déjà comment le faire. Donc, comme je le disais tantôt, nous connaissons Daisy et nous avons tous vu la nouvelle présentation qui a été faite de Daisy pour nous faciliter justement la tâche dans la présentation et dans la présentation de Daisy, parce que je sais que beaucoup de personnes ont cette difficulté quand ils veulent parler de Daisy aux uns et aux autres, d'expliquer exactement de quoi ce qu'il en recouvre. OK? Daisy, c'est un smart contract dans la blockchain. Laissez-moi voir si je peux retrouver si je peux retrouver cette présentation parce que c'est important. Si je peux retrouver cette présentation. OK. On va regarder, c'est une présentation qui dure, je crois, 18 minutes. C'est une présentation qui dure 18 minutes. Même si on ne la regarde pas en totalité, on va quand même regarder un peu pour se donner une idée de ce dont il s'agit. Donc, je vais partager mon écran. OK, je vais partager mon écran afin qu'on en regarde ne serait-ce que les 5 premières minutes, parce que cela va vous permettre, à vous qui êtes déjà membre de Daisy, de pouvoir mieux expliquer. Parce que si vous n'êtes pas capable d'expliquer par vos propres mots, ben, utilisez les mots des experts pour pouvoir le faire, parce que c'est ceux qui l'ont mis en place sont justement des personnes qui le font de façon professionnelle. Donc voilà, on va y aller. Je vais lancer la présentation. And thank you for taking the time to watch this quick presentation. We're glad you're here because today you can be a part of a new movement in crypto trading that will help you make money every single minute. Imagine if you could produce passive income from wherever you are in the world, and all you need to do it is your phone. This presentation will show you how you can create high annual returns by leveraging the same AI technology that big financial institutions use. And it's all right in the palm of your hand. Before we jump in, a few questions. What percentage of trades do you think lose money in the volatile cryptocurrency markets? 95% of cryptocurrency trades lose when using traditional methods, which makes it difficult for everyday people to win in these markets. But we've got great news for you. It's now possible for retail traders like you to make profits trading cryptocurrencies with the same confidence that big financial institutions trade with. And you can be a part of the movement to bring this industry-disrupting technology to the masses. Today, we're going to introduce you to a financial technology platform that is disrupting traditional trading and investing, and a crowdfunding model that is disrupting the peer-to-peer economy. Introducing Daisy Global, a revolutionary smart contract on the Tron blockchain that allows you to immediately participate in automated profit rewards from major financial markets, own stock equity in emerging financial technology companies, and earn instant and recurring rewards. All from a decentralized app on your phone and for as little as a $100 contribution to the crowdfund. Daisy AI, developed by Endotech under the leadership of Dr. Anna Becker, stands for Decentralized AI System, and it's the next generation of trading with artificial intelligence that will significantly multiply the current trading AI performance of Endotech.
The Daisy Crowdfund is how you can not only participate in bringing this disruptive technology to the masses, but also be rewarded generously for your contribution through our reward and referral programs. Endotech, a global fintech company specializing in AI trading systems, was founded in 2012 by Dr. Anna Becker and is run by top AI scientists. For over a decade, Dr. Becker's algorithms have been managing over $1 billion of institutional investments. Her team of AI scientists have more than 20 proprietary AI systems in operations that are the backbones of trading at more than 150 investment firms across the U.S., Europe, and Asia. For the last 20 years, Dr. Anna and her team has launched high-powered AI trading platforms that are used by financial institutions and elite investment funds around the world with documented long-term results, a fully transparent track record of highly profitable trading, and with proven success in every market condition. As an experienced executive and change agent in retail finance, Dr. Becker has worked with more than 300 brokers and has served as the compliance officer with regulators like the NFA and CFTC. She holds a Master's of Science degree in computer science and a doctorate degree in AI from the prestigious Technion University. She is also the author of several books on artificial intelligence and has a deep experience in algorithmic investment solutions. Daisy, however, is by far the most advanced AI trading project that Dr. Becker has ever imagined and will produce the highest profitability in Endotech's history. When fully completed by the fourth quarter of 2021, Daisy is expected to multiply the current trading performance by 400%. That's four times the already proven results. Imagine what that'll do for your profits, your equity, and your income. Endotech is the exclusive technology partner for the Daisy Crowd Fund, and its goal is to complete Daisy AI and be publicly traded in 2022. Endotech has a proven and fully transparent track record of highly profitable trading results available for all to see on the official endotech.io website under the portfolio section. Since 2018, Endotech is successfully trading in cryptocurrency markets, leveraging proprietary trading algorithms tested for years that outperform just buying and holding coins like Bitcoin and Ethereum. Endotech's trading strategies are divided between alpha and beta strategies and trading with major pairs of Bitcoin, Ethereum, and USD. Alpha strategies are more aggressive and profit-maximizing and are higher risk but higher reward, taking both long and short positions based on possible breakouts and using leveraged trading. Beta strategies. Ok, permettez-moi d'arrêter la vidéo. Nous sommes dans un Zoom en français, donc je la laisserai pas couler longtemps. Par contre, quand la version francophone sera disponible, on la regardera ensemble. Ça, c'est effectivement la première version en anglais. Il y aura une version dans, je crois, 13 différentes langues. Et à ce moment, vous pourrez l'utiliser, par exemple, pour les présenter à vos prospects, ceux à qui vous voulez parler de Daisy, mais il ne suffit pas de présenter de leur donner la présentation, il faudra être capable de répondre à leurs questions. C'est pourquoi moi, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez, justement pour vous aider à pouvoir répondre à leurs questions le moment venu. Donc, je sais que la question que beaucoup de personnes se posent actuellement au sujet de Daisy, c'est quand est-ce qu'on pourra retirer nos profits parce qu'on les voit monter, on les voit descendre. Si vous avez suivi le dernier Zoom de Dr. Anna Becker, elle nous a justement dit que à partir de la fin de la semaine prochaine, la semaine qui commence aujourd'hui, on devrait être capable dans nos back office de pouvoir avoir un bouton qui nous permet de cliquer et de transférer nos profits. Nos profits sont le seul bonus pour ceux surtout qui ne font pas qui ne bâtissent pas de communauté, ben c'est le seul bonus pour lequel on doit cliquer un bouton pour le transférer. Sinon, les produits, les bonus de la matrice, ben on va les avoir. Si vous avez aussi écouté la dernière sortie des fondateurs, ça veut dire de Jeremy Roma, de Ilya Manning et de Edward Kemshan, vous avez suivi qu'à cause de toutes les mises à jour, comme par exemple le back office qui a encore des informations qui ne sont pas encore mises à jour, je vais justement partager mon écran pour qu'on regarde ensemble mon back office. Où est-ce qu'il est, mon back office? Donc, à cause de toutes ces informations qui ne sont pas encore à jour, il a été convenu
il a été convenu justement que le 26, à partir du 26, qui est le jour où justement, le 26 avril, bien entendu, qui est le jour où toutes les mises à jour du back-office seront complétées, ben, il y aura de nouveau il y aura de nouveau une remise à zéro des 30 jours de qualification qui vont permettre justement que ceux qui n'ont pas atteint les pacesetters puissent encore avoir la chance de l'atteindre parce qu'à ce moment-là, ben, tout sera parfait dans le back-office parce qu'apparemment, il y a des personnes effectivement qui se plaignent du fait que les informations n'étant pas à jour dans leur back-office, ils ne savent généralement pas s'ils sont en train de bien faire ou s'il faudrait encore mieux faire pour pouvoir débloquer certaines générations de la matrice. Donc, à cause de cela, ils se sont dit, OK, ben, quand on aura fini les mises à jour, on va réouvrir pour que tout le monde puisse avoir, justement, puisse partir sur même pied d'égalité parce qu'il y a des personnes, justement, qui se plaignent que ça n'est pas le cas. On voit par exemple des informations comme ici qui sont encore à compléter ou encore ici, Total Gold Pacesetter, c'est encore à compléter. Ici, par exemple, la quantité de montant perçu, c'est encore à compléter. Voilà, donc toutes ces informations qui sont encore à compléter. Le bouton pour les retraits, par exemple, si vous voulez aller dans le trading ou alors les résultats du trading. Ici, on peut voir la courbe monter et descendre. On voit qu'actuellement, c'est à 3% de retour sur investissement. Ça monte et ça descend parce que c'est ça les marchés. Là, par exemple, quand ils auront finalement donné accès avec ce bouton, on pourra venir en dessous ici où ça nous dit Available to pay out et on va cliquer un bouton pour transférer ce profit vers notre portefeuille Tronling. Donc, c'est en principe comme ça que ça va se passer. Et voilà quoi. Donc, nous avons la possibilité. Et ça ne sera pas tous les premiers lundis du mois ou toutes les semaines, une fois par semaine ou quoi que ce soit. Ce sera chaque fois que vous en avez envie et chaque fois que vous avez un profit. OK? Donc, c'est chaque fois que vous en aurez envie et qu'il y aura un profit ici, vous pourrez cliquer pour le transférer. Cependant, Docteur Anna elle-même le dit. Les résultats que nous avons vus et qui font qui montrent de grandes performances chez Endotech, c'est aussi le résultat d'intérêts composés. C'est très important à le dire. Ça veut dire que ben, c'est le résultat d'intérêts du profit qui s'ajoute sur le capital et qui continue d'offrir des profits plus importants. Donc, c'est du moyen, voire long terme, pour obtenir les 400 voire 1500 % de retour sur investissement que nous voyons chez eux. Donc, c'est très important de le savoir. Ceux qui préfèrent avoir leur petit bonus immédiatement, ben, vous aurez la possibilité, lorsque ce sera activé, de pouvoir transférer les petits profits. Mais comme quelqu'un l'a dit, do not walk on bills to pick up coins. Ça veut dire quoi? Ne marchez pas sur les billets pour aller ramasser les pièces. Donc, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui voudront récupérer les pièces, ben, les pièces seront disponibles, vous pourrez les récupérer. Ceux qui pourront attendre pour récupérer les billets, ben, ils auront la possibilité d'attendre pour récupérer les billets et les pièces avec. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la mise à jour au sujet de Daisy. En dehors de ce back-office dont nous attendons tous la mise à jour et très impatiemment avec l'activation pour faire les retraits. Il n'y a pas eu de nouveautés ces derniers temps. En ce qui me concerne, moi, vous connaissez tous mon objectif de rentrer dans cette catégorie qui s'appelle Gold Pacesetter. Je continue de travailler pour le faire. Je continue de parler aux gens. Je continue de présenter Daisy à un maximum de personnes. Ceux qui sont intéressés, ben, ils continuent de s'inscrire. Vous l'avez vu ici, je suis où est-ce que je suis? Voilà, si je rentre dans Crowd, vous l'avez vu, je suis actuellement à 86 600. Je dois arriver à 128 000. Je continue de travailler. Je sais que ben, le travail avec le travail, ça va arriver. Donc, continue de se battre. Donc, il me faut arriver à 128 000 et voilà. Donc, avant de traverser, avant de voir si vous avez des questions, j'aimerais comme ça rapidement
vous montrer, j'aimerais vous montrer ici, comment ça s'appelle? Allons voir un peu Endotech. Pour ceux qui voudraient, comme je le dis toujours, faire de la due diligence, ça veut dire faire leur devoir et se renseigner sur ce dans quoi ils s'engagent. Ben, voici la page d'Endotech. Endotech, c'est une compagnie qui existe depuis 2012, mais qui travaille plus activement dans le monde de la crypto-monnaie et surtout du trading de crypto-monnaie depuis 2018. Vous pouvez justement ici voir leurs différents partenaires, Gemini, ainsi de suite, Kraken, Binance, Binance, ainsi de suite. Donc voilà l'équipe qui travaille ensemble. Voilà, ça c'est Endotech. Vous pouvez visiter pour voir un peu tout ce qu'ils font. Par exemple, là, je suis venu dans Portfolio. Vous pouvez aller dans les archives pour voir le type de résultats qu'ils ont. Donc, l'adresse, c'est endotech.io. Donc, allez-y, visitez. Et puis, généralement, ce qu'ils montrent en démo, c'est généralement les résultats de vrai trading passé. Donc, ce n'est pas juste des trucs dont on a fabriqué les données, non, c'est bien des résultats, mais de trading passé, ce n'est pas des résultats de trading actuel. Ici, ils vous montrent leurs deux catégories, alpha et bêta. Alpha étant une catégorie très agressive, et bêta étant une catégorie beaucoup plus calme, mais tout autant productive. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous au sujet de Daisy. Est-ce que nous avons des questions? Oui, Emma. Oui, merci encore, leader, pour l'éclaircissement et puis pour le travail que vous faites. Alors, Daisy, je viens pour poser deux questions, je pense. Alors, la première, c'est que j'ai remarqué dans le back-office que ils ont réouvert, en fait. Vous voyez, au début, quand il y avait la période de grâce, les 5 jours de grâce, voilà, je vois qu'ils ont apparemment remis ça comme si c'était la première semaine qu'on s'est inscrit, ou bien c'est enfin c'est définitif, ou bien c'est provisoire, ou je sais pas trop. Ou c'est parce qu'ils sont en train de travailler sur la plateforme. Est-ce que vous l'avez vu dans votre compte ou dans le mien? Non, dans mon compte. Parce que dans mon compte, je vois génération qualifiée. Et puis, je vois, par exemple, génération 1, ils ont mis le cochet vert. Génération 2, le cochet vert et aucune exigence, aucune exigence. Et après, ils sortent les autres générations, génération 3 jusqu'à 10 aussi. Et puis, bon, là, rien, par exemple, chez moi, rien n'est fait parce que je n'ai pas encore rempli, par exemple, la troisième génération, la quatrième, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que je constate chez moi. Je me demande si c'est partout comme ça ou bien si Disons en que fait je pour le me demande. moment, disons que pour le Oui. moment, ils nous avaient donné 5 jours, 120 heures où ça devait être ouvert sur les 10 générations. Oui. Ils ont dit qu'ils allaient rouvrir le pace setter pendant la période où ils auront à travailler sur la plateforme. Donc, pour le moment, on peut considérer que si vous avez encore ça dans votre back office, c'est qu'il est réouvert. Ça veut dire que si quelqu'un venait à atterrir dans votre matrice, ben vous seriez payé. Ah d'accord, ok, ça Et il y a c'était la quelque première. chose que il y a quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment préciser à tout le monde, que ce soit vous ici présents ou ceux qui regarderont cette vidéo par après. Daisy, c'est un projet à long terme. Comme le leader Emmanuel vous a expliqué, dans le trading, on ne peut pas prédire combien de taux d'intérêt, combien de pourcentage vous aurez chaque semaine ou chaque mois ou je ne sais pas quoi ou chaque jour. Donc, si quelqu'un s'amène à vous poser cette question, ben vous ne pouvez pas y répondre et soyez honnête et dites à la personne, c'est du trading.
c'est du trading à la différence que c'est du trading fait par une intelligence artificielle et qui est capable de trader 24 heures sur 24. Du coup, ça fait que le revenu que les uns et les autres vont se faire viendra du trading. Maintenant, ceux qui se sont inscrits à la réouverture, ne soyez pas forcément surpris si vous ne faites pas de parrainage et vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre matrice. Le temps que les matrices de ceux qui étaient là avant vous se remplissent jusqu'à arriver à vous, ça prendra un temps. Mais vous êtes maintenant dans la matrice, vous avez pris position dans la matrice, soyez juste patient pour que quand les gens vont s'inscrire, qu'on arrive justement à ce qu'on tombe dans vos matrices. Soyez simplement patient en attendant. Ceux qui ont pu s'inscrire en janvier, par exemple, aujourd'hui, après la nouvelle vague d'inscription, eux, ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent. Et quand ils ont fait beaucoup d'argent, ils se sont dit, oh, enfin, je gagne. Ben, c'est simplement parce que justement, en janvier, ils n'ont pas fait d'argent et ils étaient tous, ah non, pourquoi ça ne m'a pas fait de l'argent, ainsi de suite. Mais ils ont compris maintenant. Donc, tout ce que je vous demande, c'est d'être patient. Vous êtes maintenant, vous êtes en position dans la matrice et forcément, ça va descendre et ça va vous traverser parce que vous serez maintenant, à un moment donné, des anciens dans la matrice et forcément, des gens vont se reverser chez vous, que ce soit à travers moi ou que ce soit à travers ceux qui sont au-dessus de moi qui vont parrainer des personnes qui vont continuer de remplir la matrice. Oui, la seconde question, leader Aymar. OK. La seconde question, on en vient au bonus. Vous avez dit qu'au moment opportun, c'est-à-dire peut-être à partir du 26 avril ou un peu plus, certainement, ils vont mettre un bouton à disposition pour ceux qui veulent récupérer leur gain. Ils ont dit à la fin de la semaine prochaine. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bon, à ce niveau, je voulais demander, récupérer leur gain, parce que moi, par exemple, j'observe deux fois de temps en temps mon back-office. Et puis, par exemple, pour les personnes qui rentrent avec 100 dollars, on sait tous que le montant est divisé, 50% dans le fonds de participation et puis 50% du côté du trading. Tout à fait. 50% du côté du trading, donc en un mot, c'est 50 dollars. Bon, 50 dollars, on sait tous que ça ne rapporte pas grand-chose. Mais est-ce que ces personnes-là, sachant très bien que le trading fait un peu comme du Bitcoin, ça monte, ça descend, on n'a pas vraiment des variantes et puis ce n'est pas très stable. Donc, du coup, parfois, on peut se retrouver une journée avec 5 dollars et les minutes qui suivent ou bien les instants qui suivent après, on peut se retrouver avec 2 dollars de moins. Donc, on peut se retrouver, par exemple, avec 3 dollars et tout. Alors, ce que je voulais demander, c'est peu importe le montant qu'on va se retrouver avec, on peut le récupérer et le transférer, par exemple, dans notre portefeuille. Enfin, je vous ai entendu aussi dire tout à l'heure que, bon, ça ne sert à rien de ramasser les petits jetons quand on marche sur des billets. Donc, ça, c'est un peu une question juste pour... éclairer un peu la lanterne de toutes les personnes qui sont, par exemple, au niveau 1 et qui n'ont pas, par exemple, upgradé les niveaux supérieurs où ils peuvent aussi avoir des gains un peu plus. Merci, leader Emma. C'est une très bonne remarque. Et généralement, comment je le dis, c'est que en investissant 100 dollars, on ne sera pas millionnaire dans une semaine. Ce n'est pas un secret. Ça peut arriver, mais ça va prendre beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui peut investir un peu plus. Mais en même temps, nous disons aussi, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous êtes prêt à perdre plus que les 100 dollars, allez-y avec plus. Si vous ne pouvez supporter la perte que de 100 dollars, acceptez aussi que vos gains soient proportionnels aux 100 dollars que vous avez déposés. Parce qu'en même temps, ne soyez pas surpris quand vous verrez quelqu'un qui aura déposé 10 000 dollars être tout joyeux parce qu'il a fait du gros bénéfice. Parce que c'est généralement ça le cas. Quand on fait du trading, le gain que celui qui gagne avec 1 000 dollars et celui qui gagne avec 10 000 dollars, les deux n'ont rien à voir. Et en termes de revenus, en termes d'argent comptant, le fossé est immense. Le fossé est immense parce que
Les risques que je peux prendre avec 10 000, la personne qui a 1 000 ne peut pas les prendre. Les gains que je peux faire avec 10 000, la personne qui a 1 000 ne peut pas les faire. Donc, du coup, ça fait que si vous commencez avec 100 et que vous voulez prendre un an pour voir avec 100, ben, ça prendra un an pour que vous puissiez vraiment évoluer. Donc, merci pour la remarque du leader Emma. En plus, être en passant avec à un niveau d'inscription supérieur, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez maintenant, vous mettez votre nom sur cette nouvelle matrice. Parce que chaque niveau d'inscription a une matrice indépendante des autres. Si vous n'avez payé que le niveau 1, vous êtes sur une seule matrice, celle du niveau 1. Si vous avez payé jusqu'au niveau 4, vous êtes sur quatre différentes matrices. Du coup, quatre chances, trois chances de plus de faire de l'argent comparé à celui qui est sur une seule matrice. Donc, c'est un peu ça, la différence, et c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Est-ce que nous avons d'autres questions sur Daisy? Leader. Oui, Camden. Okay, j'ai des questions par rapport aux gains. Alors, suivre vos conseils, vous dites qu'il faut laisser, il ne faut pas retirer les jetons. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a 2 semaines, j'avais peut-être 50. Aujourd'hui, je suis peut-être à 3 quelque chose. La question que je voulais poser, c'est que est-ce que ces gains augmentent sur le capital ou bien. Ça fait comment? Et si ça n'augmentait pas sur, si ça ne s'augmentait pas sur le capital, ne serait-il pas nécessaire de chaque fois retirer pour éviter que ça, ces fluctuations, pour éviter ces fluctuations? Donc, je voulais savoir si les gains augmentent sur le capital de trading. Bonne question. Bonne question. Actuellement, cela ne se fait pas de façon automatique. Et justement, dans son intervention de la dernière fois, je vous suggère à tous de généralement regarder les vidéos, trouver le temps de regarder les vidéos qui sont postées. Parce que justement, la docteure Anna Baker a mentionné cette option. Donc en fait, il se pourrait que ce ne soit pas un seul bouton qui soit ajouté, mais deux. Un pour confirmer qu'on veut effectivement que nos gains soient rajoutés à notre capital, ce qui fait qu'on ne les perd plus parce que notre capital est maintenant bonifié de ce montant-là, ou alors être extrait pour ceux qui veulent le faire sortir. À ce moment, ça nous donne justement l'option, dès que nous voyons un gain, de décider, oui, ajouter à mon capital, ça fait que le capital, on le voit grandir et ainsi de suite. Je pense que ça répond à votre question. Mais il y aura un bouton en plus pour signifier la volonté de vouloir faire de l'intérêt composé en rajoutant le profit sur le capital. Et à côté, il y aura le bouton pour clairement signifier que l'on veut faire sortir son argent de la plateforme. C'est bon, Camden? Oui, très clair. Merci. Merci, merci, leader. Oui, Martial. Oui, leader, je vais rebondir justement par rapport à la question de l'ami tout à l'heure, Camden, parce que ma question justement serait de savoir au moment où nous faisons l'investissement composé avec ce que nous allons gagner. Vu que nous allons par niveau de palier d'investissement, ce gain, il va à quel. Est-ce que nous avons le droit de choisir à quel niveau nous voulons investir ou alors nous investissons directement sur le niveau le plus élevé? Je veux dire, nous réinvestissons sur le niveau le plus élevé. Très bonne question, très bonne question, parce que ça va me permettre d'expliquer quelque chose. Quand vous jouez sur l'intérêt composé dans le fonds de trading, vous n'achetez aucun niveau, vous restez à votre même niveau. Ça veut dire que si vous étiez au niveau 3 et qu'entre-temps, vous avez gagné 5 000 dollars dans le fonds de trading, si vous décidez de faire de l'intérêt composé, ce capital ne quitte pas le fonds, il s'ajoute immédiatement au capital que vous aviez déjà dans le fonds. Si vous voulez l'utiliser pour faire des achats de niveau, de pack de niveau dans Daisy, dans le projet Daisy, il faudrait le transférer d'abord dans votre Tronlink pour qu'il soit dans votre portefeuille avant maintenant de faire la procédure normale d'achat de pack. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait, là, je comprends parfaitement. Je suis Exact. simplement en train de réfléchir sur
quelle sera, je veux dire, la phase ou alors le côté qui nous sera le plus intéressant, quoi. Est-ce qu'il va falloir ajouter sur le niveau sur lequel nous sommes déjà, c'est ça qui est plus intéressant, ou alors évoluer sur, je veux dire, essayer de compenser un niveau supérieur. Donc, c'est à ce point que je suis simplement en train de réfléchir. Bon, là, c'est personnel, maintenant. Peut-être que vous aurez une autre idée là-dessus. Ben, disons qu'effectivement, ça dépend des uns et des autres. Une personne peut vouloir simplement, ben, ça dépend surtout si vous êtes déjà à un niveau. Je prends un exemple. Supposons que vous soyez arrivé à un niveau, disons niveau 6 ou 7, et que vous vous disiez que ben, là, c'est, vous voulez pas aller plus loin parce que quand même, après le niveau 7, pour passer au prochain niveau, il vous faut 12 000. Si vous ne voulez pas dépenser les 12 000, vous pouvez justement choisir de bonifier votre capital dans le fonds de trading, ce qui va faire grandir ce capital et potentiellement vous permettre d'avoir des gains plus importants. Qui sait, éventuellement peut-être arriver à un bonus ou alors un profit de trading de 12 000 avec lequel vous pourrez justement faire un achat de pack pour passer au niveau 8. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK, on n'a pas d'autres questions. Je sais qu'il commence à se faire tard depuis le moment où on s'est connecté.